Salut. Alors, on va faire un petit nouveau concept. Ça s'appelle Ninja Cat. Et en gros, je vais aborder le jeu Scum et sur un serveur officiel en mode ninja. Donc, j'aurai pas le droit de prendre des armes à feu. On va jouer le jeu à fond. On va déjà créer le perso. Je l'ai déjà plus ou moins pré-créé. Ici, je vais tout laisser à 3 de base. Pas me prendre la tête. Et les skills que j'ai mis, c'est full corps à corps. Vu que j'utiliserai pas d'armes de poing, l'arc, ça monte assez vite. La boxe, on l'utilise quasiment pas. Donc, full corps à corps. Intermédiaire, course endurance. Intermédiaire, perception. Intermédiaire, camouflage. Et full furtivité. C'est parti. Donc si on peut, on va trouver... Bon, en début de game, on va se faire une hache, par contre. Dans l'idéal, je vais prendre que les armes qui seront en rapport avec le ninja. Donc l'arme ultime étant le katana. Je vais me faire, je pense, des kunai aussi, pour avoir des armes de lancer. Je pense pas prendre d'arc, parce que c'est pas très approprié, on va dire. Mais au début, voilà, on va se faire juste ça. Et on va essayer d'aborder le jeu de cette manière. Un objectif qui risque d'être marrant et un peu compliqué, étant donné qu'on est sur un serveur officiel et qu'on aura guère d'autres moyens de tuer des gens qu'au corps à corps ou en lançant des projectiles. Let's go, hein, c'est parti. On va commencer se faire un premier set de survivants avec un sac et une hache. On est dans le désert, dans le sud de la map. Tout de suite, on pense à manger, à s'hydrater. On n'attend pas d'avoir soif avant de le faire. Ok. Les pierres. C'est parti, on se fait un kit. Faire la pierre de hache direct. Donc on est arrivé pas loin. Une zone intéressante ici, la zone de mecha. Je pense qu'on va se faire en passant les entrepôts et on va aller direct en ville ici. On va essayer de faire du stuff, se faire un peu d'argent. Avec l'épingle, je vais me faire un sac directement pour être moins visible. On rentre tout de suite dans la peau du ninja, hein, pour qu'on soit camou. Et en sachant qu'on n'aura pas d'arme à feu, on va la jouer très... encore plus furtif que d'habitude. C'est déjà un peu mon gameplay d'habitude. Je dirais pas de camper, mais d'essayer de surprendre mes adversaires en tout cas. Soit d'arriver dans leur dos, ou... On va essayer de la jouer comme ça, hein, encore plus là. Enfin, on n'aura pas le choix. À savoir que... Bon, les ninjas de base n'utilisent pas d'arc, on va dire, dans le vrai sens historique du terme. Je pense pas qu'ils utilisent d'arc, mais au Japon, on a un art martial ancestral qui s'appelle le Kyudo, c'est la voie de l'arc. Je pourrais l'utiliser, c'est vrai que ça pourrait nous être utile, surtout pour les aides, on va dire. Mais j'ai envie d'aborder le serveur sans ça, en disant que j'aurai droit que aux armes de lancer et que aux armes de contendant. En sachant que les armes contendantes, c'est pareil, on va prendre ce qu'on peut sur place dans un premier temps. Mais on essaiera de faire en sorte d'avoir que des armes qui sont en rapport avec le ninjutsu. Allez, on se fait le sac. Bon, let's go. J'ai envie de dire. Allez, les olives. Parfait. On va jeter le t-shirt, enfin, on va le mettre sur nous. D'être un peu plus camou. On fait le plein de bouffe, tant qu'à faire, on a des olives. On mange. On s'hydrate. Faut savoir que dans le désert, quand vous n'avez pas d'eau comme ça, il faut fouiller les cactus et les aloe vera. Ça vous donne un peu d'humidité. Ça en raccourci rapide comme ça on peut les manger tout en courant. Ça va être vraiment un gameplay qui va être difficile, je pense. Assez hardcore. Une petite larve pour les protéines.
Oula, j'ai cru voir quelqu'un sur la route là-bas. C'est peut-être un Z. Je pense que c'est un Z, ouais. Ah non, c'était un poteau. Allez. Donc à savoir qu'on est sur le serveur officiel 2. Je suis allé volontairement sur ce serveur parce que après le serveur officiel 1 c'était le plus rempli. Et du coup bah on a envie de qu'il y ait du monde hein, et qu'en même temps bah, on a envie de jouer en officiel en vanilla. On n'attend pas pour prendre de la bouffe. Je vais aller voir sur le pont là s'il n'y a pas des clodos qui ont mis un coffre. Il n'y a rien dans ces trains là, dans ces wagons plutôt. Ah, on entend un Z là dans le coin. On va aller le taper. On peut récupérer ses habits. Putain, ça fait mal. De coup, on fout d'avancer, on va prendre une paire de gants là. On va faire le bâtiment, des fois il y a un peu de bouffe, un peu de quoi se substanter là. Officiel, hein. Je loot une serrure dorée dans un des premiers loots que je vois. Truc de ouf. Il y a des chances qu'on la vende hein, parce qu'on va être en mode nomade clairement sur cette saison. On peut peut-être la garder sur soi, on va voir plus ou moins ce qu'on loot avant d'aller au shop. Observons un peu la zone. Il y a beaucoup de chaussons dans ce bureau là. C'est des glandeurs ou quoi? Qui amène ses chaussons au boulot quoi? Allez, est-ce qu'on continue?
Let's go, les lunettes. Un RP, mais ça doit être un Z, vu son rythme. Merde! Pourquoi j'ai rangé là? Alors, dans un premier temps, je vais m'octroyer le droit de prendre des balles. Les armes, tout ça, mais sans les utiliser, c'est juste pour les vendre, se faire de l'argent. Parfait. Les jumelles, ça vaut rien, on va pas les prendre. Tac, un casque, des balles. Bah, ça va faire bizarre de prendre du loot et pas pouvoir l'utiliser, hein, clairement. Ça va être frustrant, je pense. Encore des balles. Cela vaut plus cher. Allez, on s'arme, on s'arme. Let's go. Parfait ça. Allez, on prend tout ce qu'on va vendre. Encore des balles, parfait. Il nous faut clairement plus de contenants là. Alors ici c'est une réserve alimentaire, donc vous y trouverez souvent de la bouffe. Rarement des outils ou des clous, des trucs comme ça.
Alors, on va prendre la corde en main. Si on peut se faire un deuxième sac, ça serait pas mal. J'aime pas ça parce que je suis en orange et très voyant de loin. Oh, un kunai, notre première arme de ninja. Let's go! Ça, on va la garder précieusement. Le clou balek, pour l'instant. On va manger le piment. Que ninja! On va rappeler ce qu'il. Ah putain, je visais la caisse là! C'est quoi ce bordel? C'est dur de tuer quelqu'un comme ça. Alors, le but de la. On va dire de la saison, si on peut appeler ça comme ça, de l'expérience, ça va être bah, de ce stuff ninja, hein, comme je vous disais. Et d'essayer de tuer quelqu'un. On va dire que c'est notre but, que la saison pourra prendre fin quand on aura réussi à tuer quelqu'un. Et ça va être très dur, je pense. Réussir à tuer quelqu'un dans ces circonstances. Donc, réussir à tuer quelqu'un, c'est-à-dire en ninja, qu'on soit un minimum équipé, on va dire, en termes de vêtements ninja, et aussi avec une arme de ninja. Donc, ça implique le katana, les kunai, les shurikens, voilà. En fait, on a que ça, je pense. Après, on pourrait se dire peut-être les couteaux de lancer. Ça peut être. Parce qu'on va avoir tellement peu d'occasions, on va dire. Alors là, je suis un peu dans mon embarras. Je pense qu'on va se péter des fringues, là. Et avec la corde, se faire un sac. Porter le bordel. Ça va pas être, on va dire, super foufou hein, comme saison. Faut pas s'attendre à un truc de ouf, du coup. Mais moi, j'ai envie de tester ça. J'ai testé d'ailleurs sur Scum plusieurs projets comme ça, complètement hors de propos par rapport au jeu. De jouer sur des officiels, mais en même temps dans des conditions qu'on penserait pas habituellement. De jouer en décalé. J'ai pas mal d'idées comme ça à venir. Juste pas beaucoup le temps de les faire avec le boulot. Alors, là-dedans, on va mettre tout ce qu'on n'a pas besoin techniquement. On va mettre les balles. Les grenades étourdissantes, c'est des objets, les grenades fumigènes que je pense que les ninjas pourraient utiliser. Donc techniquement, je trouve que c'est pas mal de les garder. Est-ce que ça on peut le remplir? Non. On va garder peut-être, je sais pas, ouais. Ça c'est quoi comme calibre d'ailleurs? De la caillou. Ok. Ça on va le garder sur nous. Ça aussi. Ok, c'est full. Alors, les couteaux. Tac et tac. Et mon kunai, il a récupéré aussi. Mais, il est où mon kunai? Non, oh, elle est là. J'ai cru que je l'avais perdu. J'étais triste. Là. Donc, ok, ça c'est full. Il en a 3, 4, 5 places d'inventaire encore. J'ai pas trop envie de m'attarder ici, parce que je suis déjà fou, techniquement. Mais on aurait de quoi vendre au shop assez rapidement. Alors, on va continuer à faire la ligne. Hein. Ce qui sait qu'on peut avoir des fringues, des sacs, des fois, dans ce genre de truc là. Le zippo, ça se vend, c'est pas mal. Chaussures, laisse, les peaux. Oh, de l'eau, parfait.
Pour l'instant, c'est plutôt calme. Un viseur et des balles de 36. Allez, on se casse d'ici. Alors, est-ce qu'on se fait la ville avant d'aller au shop? Mieux hein, parce que ah, c'est pas ça, ça risque de faire long. Une fois qu'on aura fait le shop, après aux alentours, il y a pas si il y a cette ville qu'on pourrait faire. Bon, on va aller au shop direct. Quelques entrepôts, là il y a des fois des endroits où on pourrait avoir un sac éventuellement. Là, vous avez vu, là c'est ouvert. On va faire gaffe parce que c'est des zones ici. Des fois ça joue. Le t-shirt orange là qui gâche. Ça va bientôt faire nuit, ça c'est pas top pour l'enregistrement de vidéo, mais pas trop le choix. Ça a été fait, je pense. Hey Naruto, let's go! Cet entrepôt aussi, des fois, qui est à l'écart et souvent délaissé, hein. Voilà, j'ai remarqué. Dit qu'il y a du stuff militaire ici, ou alors si c'est pas ici, c'est ailleurs, je sais plus. Ça, on va le prendre parce que ça vaut quand même des sous. Qu'est-ce qu'on pourrait sacrifier? On va d'abord fouiller le reste, voir si on peut pas un contenant. Oh, le bruit que ça fait. Ok. Donc, c'est pas. Qu'est-ce qui pourrait valoir le moins cher là-dedans? Une bouteille d'eau éventuellement. Le briquet, je sais pas. Ça fait chier. Coup de tournevis aussi, peut-être. J'aimerais bien les garder éventuellement, je sais pas. Bon, les balles de neuf. Bon, il n'y en a que 9, donc je pense pas que ça vaille une fortune. Ok, super. Super, super. Let's go. Je vais récupérer mes balles, hein. Que faire? Bon, on continue à goûter hein, puisqu'on a encore un peu de place. On va pas y aller sardines.
se faire une petite pause bouffe. Des réserves de bouffe. Décidément. Et on va le prendre. On va remplir le deuxième sac, puis let's go, on ira tout vendre. Bah on va prendre ça, ça pour l'instant. De la place. Ok, ça on va les mettre.
encore du tournevis. Let's go. Quand même les prendre les balles. Hop là. On a de la place. J'ai oublié les caisses rouges, j'ai pas des caisses rouges. Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Encore un peu de place. J'essaie de revenir en arrière pour après repartir uniquement. Je l'avais pas vu lui. On va s'entraîner au lancer. Hein. Voilà. Ah, je crois que je l'ai pas eu. Super. Ça va être compliqué, je pense, tuer quelqu'un. Et lol. On est mal barré, je vous le dis. Ah. Où sont mes armes? Ah, on a encore le bug du Z. N'importe quoi ce jeu. Fait chier. J'ai fait 360. J'ai fait un soleil. Je vais mettre les gammas parce qu'ils commencent à faire nuit. Même si c'est moche.
Peut-être qu'on essaiera d'éviter l'endroit où il y a le sel, les marais salants là. Je sais pas. Ou bien une partie de la ville et on redescend. On va peut-être faire ça. Faire une partie de la ville pour continuer à remplir le sac de merde. Alors, durant sa petite, hein. Bon ninja, ça. Ici dans le coin, tranquille, à l'abri des regards. On pourrait presque faire le comico à la limite. On pourrait peut-être me faire des armes avant. Je sais pas. Je sais même pas où il est dans cette ville. Je fais. Je viens rarement ici. Il est vers le centre là-bas. Je me rappelle avant, quand on est ici, ça laguait à mort. Le problème d'apparence là. Oh, what the fuck? On va refermer ici. Et pas les fenêtres. Je suis curieux, je vais quand même aller voir. Looter parce que quand on met une serrure sur une porte, ça enlève tout le loot du bâtiment en gros. Donc, vu qu'ils ont mis une serrure sur l'hôtel, bah, là vous pouvez dire adieu à tout le loot. C'est un nouveau système sur Skun depuis quelques temps qui est complètement pourri, comme beaucoup de choses qu'ils ont fait dernièrement. Comme ça, c'est Skun. Hein. On va le prendre éventuellement si on peut se faire une bobine de couture. Je veux dire, une bobine, n'importe quoi, une trousse de couture. Là, j'ai des frites.
là, les Kumiko. J'aime pas trop ça me balader en ville tout en étant en t-shirt orange. Il est où ce Kumiko ici? Pas passé là. Ninja là. Il est où ce Kumiko là? C'est que là-bas il y a l'armurerie. Pas par là. À moins qu'il n'y en ait pas, je sais pas. Il me semblait qu'il y en avait un pourtant. Les ninja, je vous l'ai dit que j'étais un ninja. On va regarder derrière ça. Ah, là-bas, non? Oui, c'est ça. Let's go, Kumiko! Se mettre à l'abri là, faire une pine avant. J'en ai que 3 en plus. Ah non, 2, putain. On va pas aller loin avec ça. Ah mais j'ai ça aussi. Putain, on va le mettre dedans pour éviter de l'utiliser. Petite maison. Ça a l'air plutôt calme dans le Kumiko. On va tenter. Salut.
Donnez-moi des pins. Oh la cagoule, je la prends. Cagoule de ninja, obligé. Un petit chargeur là. Des balles de neuf, du fric. Un pompe. Des balles de 357 et encore des balles de neuf. Oula. Aïe. Tiens. Ta gueule, le Z. Ninja. J'ai un ninja. Des aides au loin. Je pense qu'on va se barrer assez rapidement là. On remplit le chargeur, ça fait un peu de place. Ouvert là. Oh, j'ai cru voir un mec dans l'angle. Oh, on a une caisse à outre là, ça pourrait nous être utile pour réparer un peu des trucs. Qu'est-ce qu'on peut réparer vite fait? Ça. Avant de les vendre, c'est toujours bien. On répare ce qu'on peut. Deuxième kunai, let's go. On va en avoir besoin. Notre arme de prédilection. Je comprends pas pourquoi ils ont enlevé le lancer dans... Oh, j'ai des belles fassures là. Pourquoi ils ont enlevé le lancer, ouais, dans les stats. Donc ils voulaient faire justement un full lancer pour... pour mon personnage. C'est raté. Des fois on a des sous là.
On va l'apprendre. Con. Peur. Gueule. Ferme ta bouche. Let's go to ship. Qu'est-ce que c'est chiant ces histoires de shop? Ça me casse le délire parce que vous voyez, moi j'avais envie de faire un scum en mode ninja. Ben non, genre il faut que j'aille vendre des thunes au shop si je veux quand même pouvoir jouer normalement dans ce scum quoi. J'allais ramasser des merdes, toutes les merdes possibles et imaginables, pour aller les vendre. Ça, on peut pas dire que ça a tué le jeu, il y a des joueurs qui aiment bien. Avoir cette méta, faire de l'argent, etc. Mais quelque part, ça a tué une forme de gameplay dans le jeu, que d'autres joueurs aimaient. Et c'est dommage, on aurait pu garder les deux, entre guillemets. Et il a fallu faire des compromis et maintenant on est obligé de jouer cette méta. Pour un joueur comme moi qui adore faire des starts, qui aime pas avoir de base, etc. C'est un peu compliqué quand même. Pas que ça soit compliqué, mais c'est rébarbatif toujours pour faire de l'argent. C'est bien si on pouvait traverser la direct. Ou des ours, hein. Ça doit être des sangliers. On va voir si notre furtivité est pas mal. Putain! Oh! Mais non! Putain! Tu parles d'une furtivité, quoi? Allez, dégage! Tu parles d'un ninja, quoi? Le mec qui se fait capter par des sangliers en moins de deux. Ninja en carton. Je m'en vais vous réduire en miettes comme votre femme.
Comment il a pu me sentir ou me voir? Je faisais même pas de bruit. J'étais super furtif. Alors, truc de sel, il n'y a pas beaucoup de loot. Hein. Vraiment pas beaucoup, mais on va juste ramasser ce qu'on peut en passant. Remplir nos poches et notre place restante, c'est pas loin du shop. Et que c'est sur la route, autant y aller. Quand tu planques un coffre ici, je suis sûr qu'il n'y a personne qui vient le chercher. Tellement paumé au milieu de nulle part. C'est de ouf. Tellement aucun intérêt de venir ici en fait. Tu te mets un coffre là, là. Ah, dans ce bush. Tranquille. Bon, t'es loin de tout et c'est nul hein. Pour voir à travers les arbres, parce qu'il y a des malins qui mettent des coffres dans les arbres. Le glitch, elles sont contre glitch quelque part. Ça, c'est marrant. Ça marche pas à tous les coups. Un truc pour regarder dans les arbres, pour vraiment avoir un bon angle et être sur le bon côté. Pas évident. Servira le coup. Est-ce qu'on peut monter là? Non. Donc, plein de sel. Hein. Je sais pas si ça vaut cher au shop. On va en prendre pour voir. Oh, il y a des flèches là. Attention. Plein de flèches. Quelqu'un est passé par là. C'est ouvert en plus. J'espère vraiment que c'est des aides parce que là, je suis mal barré sinon. Ok, il y en a un là-haut, c'est doit être un Z, l'autre aussi qu'on entend. On va les éviter pour le moment. Tu as encore le mec dans la zone. On va faire gaffe. On a capté ou quoi? Allez, dépêche-toi. Oh mais putain. T'as l'enculé.
ne tue plus rien. J'ai été pillé. Parce que c'est même pas la peine qu'on fouille, il y aura rien. Allez, direct au shop, tu te faire cette petite baraque, tu te fais. Non, c'est même pas la peine. Casse. Merde. Ah mais il est plein mon sac. Ah oui c'est vrai. Bec de son. Qu'est-ce que j'en ai des frises, c'est incroyable. Mister Freeze, le glaçon friandise. Bon, on arrive au shop, hein. C'est peut-être normal. Welcome, oh, welcome. Feel free to browse around. Moi, je suis un ninja. Je suis un ninja. What the hell do you think you're doing? Je suis un ninja, moi. Je suis un ninja. Je suis un ninja. Comme votre femme. Wow. Let's see what you have. Beau Ranger, là. Putain. Fuck. Here's what I've got. Bon, je sais que je le vends, moi. Let's see what you have. Tous les stylos, tout ça, je vais... Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Une demi-case. En général, c'est le genre de truc qu'on vend pas, mais là, je fais les bombes. La serrure gold, je vais peut-être la garder. Le ciel, ça vaut que dalle. Hein. Ça me fait chier. What the hell do you think you're doing? Ta gueule! Let's see what you have. Je vais aller chez l'armurier parce que là, j'ai des trucs dans mon sac où je peux pas le poser au sol. Avec make sure to stop by again. Il risque de me le voler. Trying to get shot.
Masque à gaz, il vous. Kidding. Nobody cares. Bon, les balles en vent. Allez, ma cagoule est pété, putain, c'est pas vrai. Alors, je vais garder les coups d'œil, du coup. Idéalement, je préférais des étoiles de ninja, mais on va se contenter de ça. Quoi, deux balles? Ah oui, c'est les BMG, ok. Je disais. Au cher. Tac, tac, c'est bien, y'a pas de questions à se poser. On vend toutes les merdes. Le casque de combat, on va le vendre. On va quand même garder la cagoule pour la forme. Le temps d'en retrouver une autre, petit à petit. Quand vous vendez vos balles, vous avez des boîtes, là, comme je viens de faire, videz-les. Ça remet les balles à 100% de leur capacité, et du coup, elles sont plus chères à vendre. Je vends les coups d'ail. What the fuck. Le reste, on va garder. On a 4000 balles, c'est déjà pas mal pour commencer. Et on a ça aussi à vendre. Ah oui, il y a encore le sac que j'ai en main, là. La grenade, je vais la garder. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Here's what I've got. Let's see what you have. Le t-shirt, ça me fait chier de le garder. Je pense qu'on va le vendre. On trouvera bien autre chose sur la route. Alors, mettre notre cagoule de ninja. Ok, je pense que le reste, on peut le garder. Ça, on va en boire un peu. See you around, yeah? Si on déposait l'argent, peut-être que ce serait pas mal. J'ai l'impression que les seins ils balottent avec les... C'est où la banque déjà? Alors là, je crois. Welcome to the most secure place on the island. Alors mes cartes, on se prend une carte. Déposé 6424. Entrer dans le système.
Il y avait une carte par terre. C'est quoi ce bordel? Allez, tirer. Tu peux pas détruire ta carte, tout le monde? Arthur, expérience. Nous aussi, nous sommes.